Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à la maison pour cette deuxième partie sur les accords de l'impromptu de Gabriel Fauré, pour voir l'aspect un peu plus technique. Alors, j'ai pensé que ce serait bien de le décomposer en quatre petits paragraphes. Comment on arrive sur les cordes, comment on se place, comment on tend les cordes et comment on les lâche. Alors, arriver, pour l'arrivée sur les cordes, il y a une notion très importante dans cet impromptu, c'est que le fortissimo du début, je trouve qu'il faut lui donner une patte sonore, il faut lui donner une rondeur. C'est un fortissimo qui n'a pas d'agressivité. Si on devait remplacer deux F par un adjectif, par exemple, ou une couleur, si vous préférez, ce qui vous inspire, en fait, faites travailler votre imaginaire. Eh bien, ce serait ensoleillé, généreux et heureux de vivre. Donc, il faut trouver un son qui dise ça. Si votre son est trop... Si vous tirez avec les bras, vous aurez un fortissimo, mais il y a des chances pour que le son soit un peu... pour que le caractère et le son soient un peu forcés, en fait. Tout simplement parce que vous allez utiliser les bras. Et pour moi, ce n'est pas utile, parce qu'on a une force extraordinaire qui est le poids. Mais le poids, il n'est pas latéral, il est vertical. Donc, on va essayer de venir le peser. Je viens du haut vers le bas et je pense que je suis lourde. Force qui vient du haut vers le bas. Je pense aussi que je tombe sur la table à droite parce que c'est le seul plan plus ou moins horizontal que nous ayons. Chez les pianistes, c'est évident sur le clavier. Nous, c'est beaucoup moins évident. On se dit, ah mon Dieu, comment je peux aller du haut en bas? Je vais glisser sur les cordes. N'ayez pas peur. Non, vous ne glisserez pas si vous savez où vous placez et si vous pensez à tomber sur la table. C'est une des dernières choses que mes montrer, je dois dire, Germaine Lorenzini. Au début, quand elle m'a dit ça, franchement, j'ai trouvé ça un peu... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand j'ai essayé, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est incroyable. Pensez à droite, à tomber sur la table. Parce que le poids, attention, ne doit pas être dans les coudes. Absolument pas. Tout ça doit rester dans le même axe. Mais donc, si vous pensez à droite... à tomber sur la table, à gauche, moi j'imagine qu'il y a une table virtuelle ici et que je tombe dessus. Au lieu de penser à « je veux tirer », non, je pèse, mais je pèse pas comme ça avec les coudes, parce que là les doigts c'est n'importe quoi, d'accord? Donc, de haut en bas et avec du poids. Cette notion de poids va vous empêcher de tirer latéralement, d'utiliser vos bras. C'est pas utile. Et vos épaules, ça n'est pas utile. D'une manière générale, c'est rare, moi, que j'utilise les bras et les épaules. D'abord parce que ça me déporte de mon axe chaque fois et ça m'empêche de rester centré sur ce que je fais. Ensuite, on va arriver sur les cordes, les deux mains ensemble. Les deux mains ensemble, comme une main avec 8 doigts. Et notamment le pouce droit. Les deux pouces d'ailleurs. Si vous avez l'habitude de faire ça, je vous conseille de travailler en pensant à placer les pouces en premier pour contrebalancer votre habitude. D'accord? Alors, pourquoi les deux mains ensemble? D'abord parce que si vous voulez moduler la vitesse de votre arpégé, vous aurez un meilleur ressenti. Ensuite, à la harpe, nous avons besoin de préparer le son parce qu'on a besoin de tendre les cordes à l'avance. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas jouer aussi vite que les pianistes parce que ça nous prend toujours un millième de seconde pour cette fameuse tension de cordes. Et donc, si on veut avoir un beau son et un son, qui soit personnel, il va falloir l'étendre. N'importe qui dans la rue peut venir et faire un son et ça va sonner à la harpe. Mais n'importe qui ne peut pas faire un son qui soit personnel et qui soit habité. Le moment où on va tendre, ça,
c'est là où on fabrique notre son. C'est d'ailleurs ce qui est magnifique à la harpe, vous ne trouvez pas ? Ce contact-là, ce contact de fabrication du son, le fabriquer littéralement comme une pâte à pain, eh bien ça prend toujours un peu de temps. Ça peut donner de la lourdeur dans certaines choses, c'est pour ça qu'on ne va pas l'utiliser nécessairement dans tout. Il y a des moments où on va être très léger, bien sûr. Mais quand on a besoin de rondeur, de chaleur, de rondeur de son et de pâte sonore, eh bien il faut préparer. Si vous voulez avoir une préparation de son qui soit égale sur vos 8 doigts et qu'on entende 8 notes et non pas 6 ou 5, eh bien, il va falloir les sentir à l'avance. Les préparer pour pouvoir aller vite surtout. En réalité. Donc, nous sommes le seul instrument à faire ça, à placer les doigts en avance parce qu'on doit tendre. Et on doit tendre pour fabriquer. Et on doit tendre également parce que notre main, on l'utilise comme une pince. Les pianistes n'ont pas ça, ils n'ont pas besoin de pince. La main est une balance, car elle est une balance également. Mais chez nous, elle est une pince puisqu'on tend. Et mon pouce va me servir, le droit ici, il va me servir à tendre 4-3-2. Si j'enlève mon pouce et que je tends 4-3-2, vous pouvez essayer chez vous. Eh bien, vous allez voir, vous êtes obligé d'utiliser au moins soit une partie du bras, soit même l'épaule ici, pour tracter 4-3-2 en fait. À partir du moment où votre pouce est sur la corde, eh bien, le pouce va s'opposer à 2-3-4 et vous n'avez plus besoin de cette partie-là. Tout est réduit ici. Ça, c'est vraiment important de comprendre cette histoire de pince parce qu'on a tous peur de notre pouce droit. Oh, le pouce droit, il est dur, mon Dieu, je ne le place pas, je ne le joue pas. Et en fait, je pense que la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est qu'il faut, il faut le renforcer, ce pouce, pour qu'il ait, au contraire, une force, la force du bas et pas la force juste du bout, la force du bas. Hein, on est d'accord ? Si je prends ma main, petite articulation, comme disait Henriette Renier, moyenne, grande, petite, moyenne, la grande elle est dans le poignet, elle est cachée quelque part dans le poignet. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très mauvais de bloquer et de serrer l'articulation du poignet pour empêcher tous les mouvements et jouer comme ça. C'est qu'en fait vous bloquez la liberté du pouce en fait. Bien. Donc je vais placer tous mes doigts et je vais essayer de placer le pouce en premier. Si vous pouvez baisser votre pouce, ça va vous aider considérablement à le tenir d'en bas déjà. Et ça va aussi aider vos autres doigts à être solides au niveau de l'articulation médiane. Quand on ferme la main, on ferme d'abord par la petite articulation, en fait. Ensuite, on ferme d'abord par la moyenne, parce que c'est ça. C'est le kinésithérapeute qui m'avait dit ça. On ferme d'abord par la moyenne. D'abord la moyenne, ensuite la petite et en dernier la grande. Si vous jouez comme ça, vous jouez d'abord par la grande et après les autres sont un peu coincés. D'accord ? Donc il faut prendre, c'est Pierre Jamais qui disait qu'il faut prendre les choses. D'accord ? On a un pouce dans l'évolution humaine, notre pouce a grandi pour pouvoir prendre. Les singes n'ont pas de pouce comme ça, ils prennent avec ceci. Donc c'est quand même notre outil main, c'est une pince. Et donc cette pince va nous aider énormément à jouer les doigts du milieu et le quatrième également, à la condition qu'ils ne soient pas tirés vers le haut. Moi j'ai toujours en fait appris qu'un pouce doit s'écarter. Il ne doit pas se tirer vers le haut. Monter en fait, parce que si vous montez ici, vous allez voir tout de suite vos doigts vont descendre. En descendant, vos doigts risquent de en fait d'être moins efficaces sur la moyenne articulation qui est tellement importante. Donc, je vais écarter mon pouce ici pour me placer. J'enlève ma main. Si je tourne juste mon bras ici, regardez. Je suis comme ça. Si je tourne mon bras depuis le coude pour faire des gammes, par exemple, vous avez l'impression que mon pouce est levé, qu'il est tiré vers le haut. En réalité, pas du tout. C'est juste l'axe de ma main qui a changé.
À aucun moment, je n'ai exercé de tension dans mon pouce. Une tension dans le pouce, c'est une tension dans toute la main et jusqu'à votre petit doigt. De la même manière, tension dans le petit doigt, vous allez voir, c'est une tension dans le pouce aussi. C'est un outil merveilleux, la main. Et encore une fois, c'est bien d'apprendre à connaître un outil pour pouvoir s'en servir correctement, il me semble. Donc, je vais retomber avec un pouce écarté, comme ça. Vous voyez, mes 2 et 3 ne sont pas plongés, ils ne sont pas comme ça. Je n'ai pas les doigts comme ceci. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas jouer comme ça. Je suis juste en train de dire, j'ai eu des étudiants qui jouaient comme ça. Mais ça occasionne inévitablement, à un moment, des problèmes. Déjà des problèmes de tendinite, donc ça c'est le plus gros problème, c'est parce que du coup, on fait marcher trop des tendons et la main, les tendons ne sont plus en équilibre. Ensuite, des problèmes de contrôle de son dans le piano, pas forcément dans le forte, mais dans le piano. Et de contrôle rythmique, surtout, la maîtrise rythmique. La couleur du son n'est pas la même également. Voilà, donc on peut toujours, bien sûr. Encore une fois, hein, je vous livre ce que moi je pense et ce que j'ai observé et testé. Donc, on écarte, vous tombez et vous essayez de ne pas avoir les doigts du milieu qui plongent parce que si vos accords sont durs, souvent, c'est que ça vient du pouce droit, c'est que les doigts du milieu 2 et 3 étaient trop faibles. S'ils sont trop faibles, bah, le pouce, il a le lit pour lui tout seul, si j'ose dire. Donc, il a beau jeu, il va éclater. Et vous n'aurez pas de moyen de le freiner. Pas dans le tempo. Donc, la solution, c'est de renforcer les doigts du milieu, surtout le deuxième. Le deuxième et le pouce forment ce que l'on appelle la pince radiale. Hein? Donc, c'est ce qui nous sert prioritairement à prendre. C'est pouce 2. Spontanément, on va plutôt prendre avec pouce 2 qu'avec pouce 3 ou avec pouce 4. Donc, cette pince radiale, ça veut dire que le deuxième, il est très important. Donc, essayez de ne pas le plonger, d'accord? Et c'est la même chose à gauche. Mais vous verrez, si vos pouces ne sont pas tirés vers le haut, eh bien, naturellement, hop, la main peut retrouver son équilibre avec les doigts qui peuvent tendre, ici. Vous voyez, mon articulation médiane. Ici, je vais mettre sur Fa, La, Ré, Fa, c'est plus clair. Ici, on voit bien, d'accord? Je ne suis pas comme ça. Si jamais vous tirez ici, évidemment, toute la main est emportée. Aussi parce que le pouce, là, n'a pas joué son rôle de non, 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 vous ne passerez pas. Et pour avoir la maîtrise rythmique. Ensuite, donc, essayez de penser à tendre vos cordes. Sur 4, 3, 2 à 45 degrés, dans ce sens-là, d'accord? Et non pas à 90 degrés, ici. Quand on tend la corde d'un arc, on la tend toujours dans le sens de l'arc, évidemment. On ne va pas la tendre dans ce sens-là. Bon, mais c'est la même chose à la harpe. Et le pouce va jouer, il tend là à 45 degrés. Et si je laisse faire à droite, parce que je suis sur la table, normalement, il y a un léger mouvement de poignet qui doit se faire. C'est pas moi qui le fais. Hein. Je lâche la main et ça se fait tout seul. Je ne l'empêche pas. J'ai eu très très souvent des gens qui bloquent leur poignet par peur de ne pas jouer, par peur d'aller trop loin ou par peur de je ne sais quoi. Mais quand on empêche un mouvement qui est naturel, ça a des conséquences derrière. Forcément. De bien-être. D'abord, bien sûr que ça fait peur quand on a été habitué à jouer comme ça et qu'on fait ça au début, on se dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais trop loin. Quand vous voulez sauter une rivière, une petite ou une flaque, si vous voulez sauter, eh bien vous êtes bien obligé, c'est beaucoup plus facile si vous prenez de l'élan. Vous n'allez pas vous mettre au bord de la flaque en vous disant la distance est plus courte pour sauter, ça sera plus simple, non? Vous prenez du recul parce que comme ça, vous pourrez sauter. La notion d'élan, elle est très, très, très importante. Si je laisse faire mon poignet, en plus, quand je retombe ici, j'ai encore plus de poids. Si je fais ça, ici,
Là, j'ai pas de poids pour aller chercher Fa, La, Ré, Fa. Je vais ouvrir, mais j'ai aucun poids. Donc la force, je vais être obligée de la trouver latéralement. Alors que si je viens là, j'ai juste à tomber. Ce mouvement de tomber là. Encore une fois, pas dans le coude. Je tombe. Mais pour tomber, il faut bien venir d'en haut. En fait. Ici, si je veux tomber, je suis obligée. C'est bien avec mon poignet, ça me permet de tomber. Si je suis là, ici, je peux pas tomber. Vous êtes d'accord? Si je tombe là, je vais tomber ici. Donc ça, c'est ce mouvement naturel de poignet, il a beaucoup d'importance. Et oui, je sais que ça peut paraître étrange. Ensuite, les doigts, je tends à 45 degrés. Ma main gauche, ma pauvre petite main gauche, on n'en parle pas. En fait, la seule chose que je vais faire de différent à gauche, je vais tenir mes doigts du milieu, beaucoup mon deuxième, tendre à 45 degrés. Simplement, comme je n'ai pas la table, je vais utiliser. Je tends ici, je vais lâcher. Si je lâche, si je fais rien, ça fait ça. Si je fais vraiment rien, ça fait ça. Donc évidemment, ça c'est trop loin. Donc je vais aller un peu moins loin et ça s'ouvre ici. Ça n'est pas ça. C'est pas ça. Ça c'est un mouvement qui vient d'ici. Et ça peut faire très mal. Ça. Et en plus, vous arrivez comme ça sur les cornes. Donc ça c'est vraiment à éviter. Le poids, il doit être là. Ici, je ne peux pas avoir de poids si mon poignet est raide. On est d'accord ? Si je raidis mon poignet, c'est curieux, ça me raidit jusqu'en haut d'ailleurs. C'est souple. Hein. Tout est lâché. Je maintiens juste une ouverture ici, en fait, pour ne pas lâcher le coude. Et j'ouvre et je fais une petite roue. Vous voyez ? Vers le bas et puis je remonte pour tomber. Vous pouvez faire une ou deux fois comme ça, ou même plus si vous voulez, l'expérience de jouer en tombant sur les cordes. Sans vous préoccuper de quoi, qu'est-ce, juste pour entendre qu'est-ce que ça donne, comment vous vous sentez, pour avoir une autre façon d'aller vers l'instrument que par le rapport de force, en fait. C'est vrai qu'il faut de la force pour jouer de la harpe. Mais si on essaye de l'apprendre par une loi physique, parce que le poids c'est une loi physique, eh bien c'est beaucoup moins fatigant. C'est moins fatigant, moins d'effort, donc ça s'entend dans le son également. Quelqu'un qui va forcer, qui va mettre beaucoup de force musculaire, on va l'entendre dans le son. C'est inévitable. Donc ce rapport à l'instrument qui pèse, c'est comme... C'est comme ça. Là, j'ai pas de pouce à gauche, donc je peux venir vers moi à 45 degrés. En fait, tous les accords qui ont besoin de rondeur, de chaleur, vont utiliser le poids. Et enfin, on a parlé de la tension, donc de l'arrivée, comment on se place, les deux doigts, les deux mains ensemble. On fait attention à son pouce gauche parce qu'il fait la jonction entre les deux mains. On ouvre un peu son coude. À droite, on fait attention de ne pas avoir le pouce trop haut et le deuxième trop bas. On sent bien sa pince radiale et on écoute ses doigts du milieu et surtout le deuxième parce qu'il est juste avant le pouce. Si vous voulez faire les choses simples, commencez juste par soutenir votre pouce gauche et votre deuxième droit. Déjà, je suis sûre, presque sûre, que ça va augmenter au moins 50%. Ça va améliorer vos accords. Et si en plus, vous pouvez éviter de faire un mouvement à droite, par là-bas, ou comme ça, qui va donner une dureté sur votre pouce, juste aller par là-bas, ici, ce sera encore mieux. Et l'articulation, enfin, les doigts, c'est-à-dire les doigts qui rentrent à la maison. Donc, cette fameuse articulation dont Pierre Jamais disait qu'il fallait
qu'il fallait prendre, on prend quelque chose. Eh bien, c'est ça, c'est quelque chose, c'est une opposition, c'est une conséquence. On tend et vous lâchez, il y a forcément un mouvement de recul. Ben, c'est ça. Et l'articulation et le poignet, c'est la suite de l'articulation. À droite, parce qu'on a le confort de la table. D'accord ? Si on n'avait pas la table, c'est un peu moins évident à sentir, on va dire. On peut le faire. Les mouvements de poignet sont là, ils sont pas là. Donc, ces mouvements de poignet, bien sûr qu'on peut les faire à gauche, mais dans les accords arpégés, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on ouvre le pouce gauche. Et donc, si vous tendez et que votre main est simplement, je veux pas, la main, elle, on ne joue pas, il ne faut pas rêver, on n'est pas comme ça, on n'est pas tout. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est comme si vous vous asseyez chez quelqu'un, dans un fauteuil, vous n'allez pas vous mettre comme ça dans le fauteuil, vous asseoir n'importe comment. Et c'est pareil, je ne veux pas non plus me mettre comme ça, toute raide, d'accord ? Je m'assois et je suis tenue. Voilà, la main est tenue, mais elle n'est pas raide. Et elle n'est pas démobilisée non plus. C'est ça qu'il faut, il faut trouver le juste milieu. Ah, c'est ça le secret, la recherche, le Graal. Donc, ici, vous faites votre pouce gauche. Pardon, voilà. Le 3 et 2. En fait, les mouvements, ça fait ça, on va dire. Si je parle que des mouvements. Qui sont finalement les mouvements quand vous terminez les accords. Au milieu, vous avez tenu vos doigts. Si vous voulez renforcer vos doigts, vous pouvez faire... moi, j'aimais bien faire ça. Je prenais un doigt par mois et puis je faisais petite tenue. 3 minutes à droite, 3 minutes à gauche. Et je faisais attention, je tends et je lâche. Et je fais attention, je n'utilise pas mon épaule, rien. Je sens que c'est que le doigt. Et si au début vous tendez juste un tout petit peu, eh bien c'est un tout petit peu. C'est pas grave, ça va venir. Soyez patient, c'est le maître mot. Au début, le doigt, il va faire ça. Un petit peu comme Bambi, vous savez, de Walt Disney. Quand Bambi est sur la glace, j'adore ça. Et il essaie de se relever, évidemment, il est un peu branlant sur ses jambes. Eh bien c'est pareil, au début, le doigt, votre doigt va trembler. Et au fur et à mesure, il va se renforcer. C'est absolument normal. Vous tendez et surtout... Évitez de faire des petits cruic, 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 comme ça. Tendez un peu, tenez et relâchez. Tendez et relâchez. Ça, c'est pour les courageux, hein, ceux qui veulent vraiment renforcer leurs doigts. Hein. Vous placez votre pouce aussi, bien sûr, pour les raisons que je vous ai expliquées, hein, pour être en opposition avec votre pouce et pas avec votre épaule. Donc, voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez jouer. Et quand vous jouez, n'ayez pas peur, lâchez. Et votre doigt doit rentrer. Au début, vous tenez bien votre doigt. Il est bien comme ça. C'est-à-dire, il n'est ni cassé, ni comme en banane. Voilà, comme une banane. Il est juste arrondi. Au début, vous arrivez à le tenir. Et au moment où vous allez jouer, vous allez voir, votre doigt va revenir en banane. Ce n'est pas grave. D'accord ? Au début, c'est pas grave, ça va venir. Au fur et à mesure que vous allez solidifier vos doigts, eh bien, ils vont arriver à tenir et à rester comme ça, même quand vous lâchez la corde. Et vous allez avoir une articulation parfaite. Parce que plus besoin de chercher la force dans la main ou dans le coude ou dans l'épaule. Vous allez avoir vraiment la force dans vos doigts. Donc, vraiment dans les doigts. Et plus besoin de raidir le poignet. Il doit rester libre, libre. D'accord ? C'est quand même curieux, comme souvent ce poignet, ce mouvement de poignet fait peur, alors que je vois parfois des harpistes faire des gestes très très grands avec les bras, comme des papillons. Et ça, j'ai l'impression que ça dérange moins. C'est curieux. Donc voilà, renforcez vos doigts du milieu, et le quatrième aussi, hein. Bien entendu, le quatrième, c'est la même chose. Et vous verrez que vos doigts vont fermer. N'oubliez pas, l'articulation est une conséquence. Alors vous pouvez, quand on n'a pas l'habitude au début, vous pouvez la forcer un peu pour voir ce que ça fait, parce que votre cerveau ne connaît pas cette sensation. Pour
pour ceux qui n'articulent pas, bien sûr, ou qui articulent en l'air, hein, comme ça. Donc, l'articulation en l'air, contrôlée, c'est ce qu'on utilise quand on veut un son très, très, un peu piquant, comme ça. Hein. Un peu, presque avec les ongles. Bloquer, je vais jouer juste un petit peu comme une araignée, c'est une spécificité. Comme toujours, on a une base, on renforce nos doigts, et après, on fait ce qu'on veut avec. On peut jouer très très piano, ils vont répondre en fait. Répondre à la sollicitation rythmique, à la sollicitation du son également. Tout ce travail en fait, technique, mécanique, ne sert absolument à rien. Si vous n'avez pas une idée, si vous n'avez pas un idéal de ce que vous voulez obtenir, si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas le son, si vous n'avez pas la texture de ces accords, qu'est-ce que vous imaginez par exemple comme tissu, ou je ne sais pas, comme n'importe quoi. Un tissu, je vois des arbres, une écorce d'arbre, une feuille, qu'est-ce que c'est comme arbre? Tous les arbres sont différents. Le tissu, c'est du velours, c'est du taffetas, c'est la couleur. Vous devez, et puis vous avez certainement dans tous les harpistes extraordinaires qu'on a la chance d'avoir en ce moment, écoutez-les en vrai, en vrai. Je sais que maintenant, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais j'ai bon espoir que ça change. Écoutez-les en vrai et laissez-vous inspirer par les sonorités que vous entendez. Moi, je sais que ça m'a... J'avais la sonorité de... Vraiment, j'avais la sonorité de Lil Eskin dans les oreilles, ce velours. Et j'avais la sonorité de Germaine Lorenzini aussi, qui était tellement une patte sonore, tellement fabuleuse. Et je l'avais à demeure. Et je crois que ça m'a formée. Ça a formé mes oreilles. Quand j'ai entendu Naoko Yoshino, voilà. Ça a été un choc pour moi. C'était vraiment le son idéal. Moi, quand j'étais plus jeune, je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de cornes et j'avais pas un très très beau son. Et quand j'ai entendu Naoko, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Et ça m'a porté. Ouais, puis il y en a plein d'autres. Enfin, à chaque fois, j'ai des... De tous les harpistes que j'ai pu entendre... ou même des étudiants hein, qui ont la chance d'avoir des sonorités naturellement belles, eh bien, ça, c'est très injuste, hein, c'est très injuste. Moi, j'étais obligée de beaucoup travailler. Mais d'un autre côté, ça m'a appris des choses que je peux peut-être vous redonner à mon tour. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Donc, tout ça pour dire, ayez un idéal à l'intérieur de vous. Parce que si vous voulez vraiment faire des beaux accords, oui, ça demande du travail, c'est normal. Maintenant, on peut très bien jouer l'impromptu sans avoir des accords parfaits. Voilà, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, c'est juste pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Je me suis permise d'aller vraiment un peu plus loin dans la technique pour essayer de vous expliquer rapidement parce que ça mériterait en fait beaucoup plus de temps. Donc, je suis passée un peu rapidement sur les choses. Mais j'espère néanmoins que ça va vous aider et que ça va vous guider. Vous embrasse, à bientôt.